mon mari, pour moi, c'est l'homme idéal. Ça fait 55 ans qu'on est mariés, ça fait 55 ans qu'on est ensemble. Je n'ai jamais regretté. Il a toujours été là pour moi. Je l'aime beaucoup, mon épouse. On est bon encore pour plusieurs années, je crois, parce qu'on est ensemble toutes les deux. On a deux enfants, un fils qui est prêtre, et on a une fille qui est mariée, qui a deux enfants. On est très impliqués avec nos petits-enfants. Puis nous autres, pour nous, c'est le bonheur. On joue au billard. Au jour de l'an, on les a reçus. On a monté la famille en haut. On a tout été mangé en haut. Après ça, il y avait un musicien. Il y avait de la danse. Ça fait un plus beau party que d'être 5 dans l'appartement ou 6 dans l'appartement. Là, on était avec tout le monde. La famille, c'est une grande famille chez nous, aux résidences. Les premières fois qu'on est rentré là, nous aussi, on a aimé ça. C'était tellement beau. C'est pas un gérant qu'on a rencontré. On a eu la chance de rencontrer le propriétaire. Puis on l'a trouvé sympathique. Et M. Savoie. Et j'ai dit, c'est ici qu'on va habiter. Un homme de famille, puis nous, ça nous rejoint, la famille. Puis notre famille est toujours bienvenue chez nous. On a tellement de plaisir, là, nous autres. Là, on s'est fait un groupe, là, puis on est aimés, puis on les aime, les autres aussi. On a du plaisir ensemble, puis ça vaut la peine. Puis je pense que j'aurais dû, avant 70 ans, m'avoir décidé avant de... Ben moi, j'avais une solidef quand même quand je suis arrivée. Les gens du personnel sont toujours très gentils avec nous autres. Et les gens de la résidence aussi. Mon mari, c'est lui qui donne les cours de danse. Puis les gens, ils aiment ça. Ils disent, Henri, une fois de temps en temps, fais-nous des parties. Fait que là, Henri fait à tous les troisièmes samedis du mois, là, on fait un petit party. D'ailleurs, on est dans le comité. Alors, on choisit les sorties. En groupe, on est 13 dans le comité. Entre nous, on s'était dit, on ne laissera pas la charge à nos enfants d'être obligés de nous placer un jour. On va le faire nous-mêmes. Après qu'on a eu vendu à la maison, tu sais, 43 ans à même place, on a élevé nos enfants, on a beaucoup de souvenirs dans cette maison-là. J'ai même pas eu un petit pincement au cœur. On s'est dit, on est à la bonne place. On n'a jamais regretté, puis on trouve que c'est la plus belle affaire qu'on a pu faire à notre âge, là, de s'en aller comme ça, puis de choisir où on voulait aller. Puis nos enfants viennent chez nous, puis ils nous disent, « Mon Dieu, vous avez fait une belle vie. » Puis vous faites une belle vieillesse. C'est pas bien drôle, moi.